Bonjour à tous, nous avons la chance de vous recevoir aujourd'hui sur le campus Alpe-Europe de l'UCLI à Annecy. Vous savez, l'UCLI a été fondée en 1875 et depuis 2 ans maintenant, il y a un nouveau campus à Annecy. Les 130 formations de l'UCLI ne sont pas présentes ici à Annecy. Elles sont focalisées en priorité sur l'ESDES, sa business school et sa faculté de droit, qui d'ailleurs a été fondée en 1875 comme l'université. Aujourd'hui, nous avons la chance de passer une petite heure ensemble avec des étudiants, des témoignages vidéo, deux des principaux directeurs. Je remercie Aurélien Eminet, qui est le directeur du campus et le directeur de l'ESDES ici à Annecy, d'être avec nous. Louis Berthier, qui est le directeur pédagogique de la faculté de droit. Et les deux étudiantes de l'ESDES et de la faculté de droit, inversement, d'être avec nous aujourd'hui. Ma première question est assez simple, elle s'adresse à Aurélien. Bonjour Aurélien, vous êtes un petit peu le local de l'étape, quelque part, parce que vous êtes né à Annecy ou à côté? Je suis né en Haute-Savoie, effectivement. Est-ce que le fait, justement, d'être à Annecy est un avantage, une garantie de succès pour diriger ce campus? Non, il n'y a pas d'avantage à être annécien pour diriger ce campus. En revanche, il y a peut-être une motivation supplémentaire, puisque j'ai été jeune ici. Et aujourd'hui, on contribue aussi à enrichir l'offre d'enseignement supérieur sur le territoire, auquel je suis évidemment attaché. Justement, on sait, quelques personnes se sont posées la question de savoir pourquoi est-ce que l'UCLI, donc fondée en 1975, était venue s'installer à Annecy, justement, précisément, alors qu'ils auraient pu aller ailleurs, sur la région Rhône-Alpes? Oui, c'était à la fois une opportunité qui a été issue d'une demande, je crois, de tous les acteurs de la région pour justement renforcer l'enseignement supérieur dans une région qui en manquait un petit peu et qui se développe démographiquement, économiquement, et qui a besoin évidemment d'avoir une population active et des formations offertes aux étudiants. Et puis de l'autre côté, évidemment, l'UCLI était à Lyon, donc Annecy est dans le bassin naturel d'exercice des activités de l'université, et avec déjà beaucoup d'étudiants qui venaient sur les campus lyonnais. Donc évidemment que ce territoire qui se développe vite, qui avait besoin de se renforcer, était accueillant et d'une certaine manière assez naturel pour ouvrir un troisième campus. Merci Aurélien. Elisa et Anna, donc Elisa, vous êtes alternante en troisième année à l'ESDES. Anna, vous êtes étudiante donc à la faculté de droit. L'un et l'autre, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ça vous arrange justement que l'UCLI ait ouvert un campus à Annecy? Alors moi, personnellement, je suis née ici, à Annecy. Donc c'est vrai que économiquement, ça m'arrangeait de rester pour 2 ans encore à Annecy. Ça m'évitait en fait de trouver un logement dans une autre ville. Personnellement, c'était mon cas, ouais, ça m'arrangeait vraiment. Elisa? Alors moi, oui, ça m'a arrangé aussi, surtout au niveau professionnel, pour la proximité avec la Suisse et l'Italie. Donc je suis de Saône-et-Loire et venir ici, c'était vraiment changer de cadre de vie. Et le bassin annécien est plutôt sympa. D'accord. Vous avez vu les deux en plus, vous avez été à Lyon aussi. Exactement, j'ai visité le campus de Lyon et d'Annecy. D'accord. Avant même de rentrer dans le détail des formations, on va vous montrer une première vidéo un petit peu qui va vous éclairer un peu sur ce campus et sur cette merveilleuse ville d'Annecy. Je viens de Thônes, j'étais au lycée à Thônes et j'ai toujours voulu faire du droit. Et quand j'ai vu qu'il y avait une nouvelle fac qui ouvrait à Annecy, j'ai voulu essayer de tenter ma chance et j'ai été prise. Je me suis retrouvée ici l'année dernière, en première année de droit, avec en option le DU Common Law que j'ai réussi à passer. Et du coup, je me suis retrouvée en deuxième année ici, dans le nouveau campus. Je pense que déjà l'année dernière, on était quand même bien encadré, etc. Et cette année, on voit que tout le monde est content de ce nouveau bâtiment, autant les élèves que les professeurs. Du coup, c'est vrai que tout le monde est enjoué. Je pense qu'Annecy, c'est une ville déjà à taille humaine. C'est pas trop grand, c'est pas trop petit. Tout le monde est bien ici et que tout le monde est content, autant les professeurs, le personnel que les élèves, de vivre ça, enfin l'évolution de l'école en fait. Du coup, le campus Alpe-Europe, il est un peu ouvert à l'international, c'est un peu le but. On est à côté de la Suisse, etc. Et déjà, je fais le DU Common Law pour m'ouvrir un peu à cet aspect anglophone et un peu international. Je pense sincèrement que l'UCLI nous donne les chances de pouvoir s'orienter vers une carrière un peu internationale parce que déjà,
En plus du DU Common Law qu'il propose, il y a aussi un Bachelor of Civil Law que je n'ai pas choisi, mais il l'est en option avec une année en Irlande, la troisième année. Et en plus, du coup, on a plein de matières en anglais. Bon, c'était un choix, on avait soit le choix en français, soit en anglais. Mais c'est vrai que le fait de le proposer en anglais, je pense que ça permet d'évoluer dans une optique internationale. Et c'est vrai que si j'ai l'occasion de pouvoir faire un métier, voire même un master avec une dimension internationale un peu plus que le DU, je le ferai sans hésiter parce que je pense que c'est une très bonne chose pour le futur. C'est un magnifique campus, à ce que vous avez pu voir. Je vous invite surtout à venir le voir directement ici à Annecy. Donc je suis avec les principaux acteurs du campus et maintenant je me tourne vers Aurélien Eminet, le directeur du campus UCLI Alpes-Europe et vous êtes aussi directeur de l'ESDES. Est-ce que vous pouvez succinctement me présenter les formations de l'ESDES ici à Annecy? Oui, le programme principal c'est le Bachelor in Business qui est un programme Bac plus 3 en 3 ans. Et qui confère le grade de licence pour les étudiants diplômés. Ces étudiants, quand ils entrent chez nous, en troisième année, ils choisissent des spécialisations. Il y en a trois aujourd'hui qui sont proposées, entrepreneuriat et développement des affaires, marketing du luxe et des métiers d'excellence, et marketing et communication digitale, qui démarrent donc en troisième année. Et puis pour la rentrée prochaine, il y a également une nouveauté, c'est qu'en plus de ce programme, les étudiants peuvent choisir un diplôme universitaire sur les outils juridiques du manager qui est fait en parallèle du diplôme principal, donc du Bachelor in Business. Il y a des formations qui peuvent être suivies en alternance aussi? Oui, alors à partir de la troisième année, les spécialisations que je vous ai citées tout à l'heure sont effectivement, c'est une année qui est toute en alternance. Et d'ailleurs, les étudiants peuvent nous rejoindre également pour ce Bac plus 3. Après un premier diplôme Bac plus 2, il y a des admissions parallèles, donc ils peuvent aussi candidater et nous rejoindre pour cette année de spécialisation en alternance. Quand vous dites candidater, on candidate en direct ou tout ça, on retrouve ça sur Parcoursup? Alors, pour les étudiants lycéens qui veulent nous rejoindre, et je crois que ce sera la même chose pour la faculté de droit, toutes les formations sont accessibles uniquement sur Parcoursup. Pourquoi? Parce qu'on a des diplômes qui sont reconnus par l'État, donc c'est une condition pour candidater chez nous. La deuxième condition, c'est de réussir et d'être admis chez nous, puisque c'est des formations qui sont sélectives. Pour ce qui concerne les admissions parallèles, c'est-à-dire après un Bac plus 2 chez nous, là, la procédure est un petit peu différente. On ne passe plus par Parcoursup, mais par une candidature sur un dossier qui a téléchargé sur Internet. Et puis après, même chose, passer les épreuves d'admission pour intégrer les programmes. Quand vous dites réussir chez nous, il y a un concours en particulier? Oui, alors la procédure d'admission est différente pour les programmes du droit et pour l'ESDES. Pour ce qui concerne l'ESDES, alors l'épreuve principale pour être admis, c'est l'oral de motivation. On attache beaucoup d'importance au projet de l'étudiant, à cet oral de motivation. Donc une fois que les personnes candidatent chez nous, elles sont tout simplement invitées à passer cet oral devant un jury sur le campus. Et puis il y a d'autres épreuves, il y a aussi un test écrit d'anglais. Alors on ne demande pas à nos étudiants d'être bilingue, mais il y a notamment un semestre qui se déroule, on en reparlera je crois tout à l'heure, à l'étranger. Donc il faut quand même avoir un niveau d'anglais correct pour entrer. Et puis, dernière épreuve, un test de logique, culture générale, culture économique, qui est aussi à faire pour entrer chez nous. Et quand on parle de concours, est-ce que c'est le concours Access ou pas spécialement pour le bachelor? Non, ce n'est pas le concours Access. Le concours Access, il est là pour l'autre programme qui est à Lyon, qui est le programme Grande École. Donc nous, c'est un concours dédié pour le bachelor, qui est d'ailleurs le même que celui que passent les étudiants qui veulent aller sur le campus de Lyon. C'est exactement le même concours, les mêmes épreuves, la même barre d'admission. Donc il n'y a pas de stratégie particulière à développer pour les lycéens. Il faut simplement qu'ils indiquent le campus sur lequel ils veulent aller sur Parcoursup. Ça marche, on retrouve tout sur Parcoursup. D'autres formations qui sont sur Parcoursup, celle de la faculté de droit. Louis Berthier, vous êtes le directeur pédagogique de la faculté de droit ici à Annecy. Alors, c'est combien d'étudiants à peu près la faculté de droit ici? Aujourd'hui, nous avons 200 étudiants à la faculté de droit sur le campus d'Annecy. D'accord. J'ai bien compris, vous êtes aussi enseignant, c'est ça? Tout à fait, oui. Donc, en droit international,
particulièrement. J'interviens en première année sur un cours d'institution internationale et européenne. Et je vois tous les étudiants de première année aussi dans un module de propédeutique pour les aider dans leur méthode de travail et voir avec eux comment il faut s'organiser pour réussir les études de droit. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dresser justement un rapide panorama aussi des formations proposées par la faculté de droit ici ? Oui, alors on a notre principale formation qui est une licence en droit en convention avec l'Université de Savoie-Mont-Blanc. Donc la licence en droit, c'est un programme en 3 ans où les étudiants vont acquérir le raisonnement juridique surtout et voir différentes matières du droit. Et on propose aux étudiants, en parallèle de la licence en droit, de suivre plusieurs diplômes universitaires. Donc les diplômes universitaires vont leur permettre de se pré-spécialiser dans un domaine du droit. Et donc on a plusieurs pré-spécialisations. En common law, c'est le droit anglo-américain, donc des enseignements exclusivement en langue anglaise. En criminologie, pour une découverte du phénomène criminel. En droit Sciences Po, pour étayer leur culture générale et les préparer au métier de l'action publique. En droit de l'entreprise, pour ceux qui sont intéressés par le droit des affaires. Et ensuite, une formation très locale à Annecy, le droit international et transfrontalier franco-suisse, pour étudier toutes les problématiques juridiques transfrontalières qui sont liées au contexte régional. Et en plus de ça, on propose à certains étudiants d'avoir un double diplôme avec une université étrangère. Donc c'est une licence en droit française et le Bachelor of Civil Law de l'université de Maynooth en Irlande. Et donc là, les étudiants sont inscrits dans les deux universités, font 2 ans d'études à Annecy avec les cours de la licence et des cours supplémentaires, notamment en langue anglaise, et ensuite sont en mobilité en 3e année à Maynooth. C'est la formation que suit justement Anna. Effectivement, on aura le temps d'en reparler avec Anna. Là, je vais me tourner vers une autre étudiante, c'est Elisa, tout de suite. Donc, Elisa, toi, tu es en bachelor marketing et communication digitale, c'est ça, à l'ESDES, au sein d'une société que les Annéciens connaissent bien, c'est la société Fusalp. Est-ce que tu peux nous la présenter un peu ? Oui, bien sûr. Fusalp, c'est une marque de ski spécialisée dans les vêtements de ski, mais aussi le prêt-à-porter. La marque a été fondée à Annecy. Et voilà. C'est sympa ça. Est-ce que donc tu es en alternance, c'est ça ? Quel est le rythme de l'alternance ? Alors le rythme de l'alternance se compose de 3 semaines en entreprise et 1 semaine à l'école. D'accord. Est-ce que tu as trouvé ton entreprise toute seule parce que tu connaissais Fusalp ou comment ça s'est passé ? Non, pas du tout, je ne connaissais pas Fusalp avant. J'ai postulé et j'ai passé un entretien et ensuite j'ai été acceptée. Est-ce que tu as été accompagnée par l'ESDES justement pour cette recherche d'entreprise ? Bien sûr, pour ma recherche d'alternance, on a été très bien accompagnés, que ce soit pour peaufiner le CV et la lettre de motivation, mais aussi faire des entretiens d'embauche fictifs pour pouvoir s'améliorer. Tout à l'heure, tu m'as dit un truc qui était sympa aussi, quand tu as trouvé ton alternance, tu étais à l'étranger, c'est ça ? C'est ça, j'étais au Vietnam, j'étais à l'université, en échange université partenaire au Vietnam et j'ai donc passé mon entretien pour Fusalp à l'autre bout du monde. Avec le décalage horaire, c'était un peu compliqué, mais on a réussi. C'est sympa. Ton travail au quotidien, parce qu'en fait, tu as 2 casquettes, tu es étudiante et tu travailles en entreprise. Comment est-ce que tu arrives à jongler avec tout ça et au quotidien, quand tu es dans l'entreprise, qu'est-ce que tu fais pour commencer à donner une idée à ceux qui nous regardent ? Alors, au quotidien, j'assiste l'area manager. Donc, l'area manager, c'est la personne qui est responsable des boutiques, donc à l'international, donc sur le secteur Europe et Amérique. Donc, ça fait un total de 14 boutiques. Et puis, on s'occupe du bien-être du personnel en boutique et surtout du développement, donc des discussions marketing et des discussions RH. Et tu arrives à jongler avec tout ça, c'est-à-dire les études, c'est-à-dire tu finis ta journée de travail, tu continues à étudier derrière, comment ça se passe ? Alors, les semaines où je suis à l'école, je travaille à mes cours et puis quand je suis en entreprise, je travaille vraiment mon travail chez Fusalp. D'accord. Donc c'est assez dense. Oui, c'est dense, il faut avoir un bon rythme. Puisqu'on parle d'alternant, justement, je vais me tourner vers Aurélien pour que ces entreprises partenaires, comment est-ce que vous les trouvez ? Elle nous a parlé un petit peu de l'accompagnement qu'apportait l'ESDES. Est-ce que vous avez déjà réussi à créer un solide réseau d'entreprises partenaires ici ? Oui, alors en fait, il existait déjà. L'ESDES a été créé en 1987, donc avec un réseau déjà d'alumni, de plus de 5 000 alumni
dont une grande partie était dans la région. Donc on retrouve des personnes, y compris dans cette pièce d'ailleurs, qu'on a croisées en cours récemment, et puis qui évidemment maintenant sont devenues des professionnels. On avait des anéciens qui venaient se former à Lyon, donc on avait déjà tout ce réseau d'entreprises. Après, c'est vrai que notre présence à Annecy permet d'accroître ce réseau, ses connaissances, de se rapprocher de certaines entreprises, de développer d'autres liens. Et puis, on a eu cette année deux forums entreprises pour aider les étudiants à trouver, avec là aussi des entretiens qui sont proposés directement à l'occasion de recherche de stage ou d'alternance. Et puis, on va continuer à développer ce réseau. Et vous profitez du réseau que vous apporte l'UCLI aussi. Il y a oui, bien sûr. Et puis, on a, mine de rien, déjà plus de 100 stages qui sont faits par an. Donc en fait, tous les étudiants qui sont aujourd'hui en études, ils sont en entreprise, ils ont contribué à la vie de toutes ces sociétés, donc ils nous en apportent, on leur en apporte, et puis c'est toute cette richesse qu'on continue à développer. Je me tourne vers Louis. On se doute que la formation en école de management, elle est assez professionnalisante, mais en licence de droit aussi, vous faites beaucoup de projets, il y a beaucoup de choses qui vous raccrochent aussi à la réalité de l'entreprise ou au futur métier de juriste. Est-ce que vous pouvez rentrer un petit peu dans le détail de ces exemples-là? Alors oui, c'est vrai que la licence en droit, ce n'est pas une formation qui est professionnalisante. Les étudiants vont souvent poursuivre après en master et souvent après passer des concours. Et c'est là qu'ils vont accéder à une école et apprendre un métier avocat, magistrat. Donc dans le cadre de la licence en droit, les stages ne sont pas obligatoires, mais ils sont optionnels. On les encourage beaucoup à... Pour les étudiants, il y a un service professionnalisation dans la faculté de droit qui accompagne les étudiants pour les aider dans la recherche de stages et puis apprendre à faire les CV, les lettres de motivation, les entretiens aussi. Et puis après, il y a différentes façons aussi de les professionnaliser petit à petit. Il y a les PPP, les projets personnels et professionnels. Donc ça, c'est des projets que les étudiants peuvent mener sur une année universitaire. Et ils font, alors il faut que ce soit en lien avec leur orientation professionnelle, mais ils sont vraiment, ils n'ont pas d'heure de cours, ils doivent mener un projet. Donc par exemple, ça peut être, c'est le cas d'Anna, mais elle leur parlera probablement, créer une association là pour les alumni, donc elle voit comment on crée une association, etc. Et puis, dernière chose, les étudiants aussi font par année universitaire systématiquement un projet pédagogique qui les sort un petit peu de l'ordinaire, des copies qu'ils ont à rendre. Donc en première année, ils ont un projet de révision de la Constitution. Ils prennent la peau de sénateurs et députés, ils doivent réfléchir à une proposition de loi constitutionnelle qu'ils vont débattre ensuite dans l'amphithéâtre et qui sert à simuler une réunion du Congrès. Et en deuxième année, nos étudiants font un procès fictif en droit pénal. Et donc là, il y a plusieurs tours et la finale se fait... habituellement au tribunal judiciaire d'Annecy devant des magistrats. Donc c'est aussi l'occasion pour eux de discuter avec des professionnels. Louis, vous avez mentionné rapidement un exercice quand même assez sympathique pour les étudiants en droit, c'est les procès fictifs, c'est ça? Vous pouvez nous en dire un peu plus? Tout à fait. Alors bon, sur les procès fictifs, en fait, on fait travailler les étudiants sur un cas qui peut être qui n'a pas existé et qui est tiré alors l'année dernière c'était deux contes, le conte de Hansel et Gretel, et puis cette année ça va être Harry Potter. Voilà, ils vont travailler donc, et après ils doivent en fait trouver une argumentation à la fois, vu que c'est du droit pénal en fait, pour l'accusation et pour la défense, et donc on leur demande de préparer une argumentation juridique et puis de plaider. Après, donc c'est un exercice qui est intéressant pour eux. Ils voient un peu plus finalement la finalité du droit aussi et la mise en application. On a parlé des relations avec les entreprises. Et est-ce que vous, la faculté de droit, a de bonnes relations avec les acteurs juridiques annéciens? Oui, on a d'excellentes relations avec les acteurs juridiques annéciens. Les différentes professions, que ce soit les avocats du barreau, les magistrats au tribunal judiciaire, les notaires, les juristes, les huissiers aussi. C'est très important pour nous, pour la bonne implantation de la faculté de droit localement, ce qui aide les étudiants à aussi obtenir des stages. On participe à des événements avec les acteurs juridiques. Par exemple, à la Nuit du droit, systématiquement, toutes les années, on contribue à cet événement qui a lieu au tribunal judiciaire d'Annecy. Donc, c'est un certain dynamisme, on arrive à mener des projets avec eux et ça c'est très enrichissant pour nos étudiants. Il y a des professionnels qui viennent enseigner
aussi aux étudiants, principalement aux travaux dirigés. Donc voilà, ça peut être l'objet de conférences et tout ça est très enrichissant pour nos étudiants, pour leurs apprentissages. Merci Louis. Vous en doutez, l'éloquence est importante quand on est en faculté de droit, elle l'est aussi lorsqu'on est en école de commerce à l'ESDES. On va en profiter pour voir un témoignage d'un étudiant qui est en deuxième année de licence de droit et est en train de créer le concours d'éloquence ici de l'UCLI sur Annecy. On va rejoindre Paul Girard. Je m'appelle Paul Girard, je suis en deuxième année de licence de droit donc au sein de ce campus Alpes-Europe. J'habite à 45 minutes d'Annecy et puis quelque chose qui a beaucoup compté, c'est la taille humaine de cette structure. On est moins nombreux qu'à Lyon, donc par conséquent, j'ai tout de suite compris que j'allais me sentir bien dans cet environnement-là, puisqu'il y allait avoir une proximité à la fois entre les élèves, mais également vis-à-vis des enseignants. J'ai découvert l'UCLI un peu par hasard et en regardant le site de l'UCLI sur Internet, j'ai compris l'esprit, on va dire, de l'école et cet esprit-là, moi, m'a tout de suite convenu. Le droit, pour moi, c'est un domaine qui est vivant, qui est extrêmement riche, d'ailleurs même au niveau des enseignements. Hein, on a des enseignements, du moins durant les deux premières années, à la fois en droit privé qu'en droit public. Donc intellectuellement, c'est tout à fait stimulant. C'est-à-dire qu'en droit, on va être confronté à des faits. Il va falloir donner à ces faits une traduction juridique et il va falloir avoir un esprit de curiosité. C'est tout un cheminement intellectuel qui est très exigeant, certes, mais extrêmement enrichissant même au quotidien. Ça permet d'avoir un esprit le plus clair possible, le plus logique possible. Et on peut très très vite devenir passionné par ce domaine qu'est le droit. Je suis déjà plus attiré par le droit privé que par le droit public, c'est certain. Et en fonction de mon ressenti, de cette période de stage, je pourrais peut-être me destiner à, pourquoi pas, à cette profession de commissaire de justice, oui. Dès ma première année, je me suis mis en tant que membre au bureau des étudiants. Et j'avais également en première année participé au concours d'éloquence, alors cette fois-ci en tant que candidat. J'ai décidé avec quelques amis d'organiser ce concours d'éloquence, donc cette fois-ci je suis du côté de l'organisation et non plus de la participation. Et c'est vraiment un projet que l'on mène sur l'année, c'est-à-dire que nous avons des dates clés au cours de l'année. Il y a des séances, il y a d'abord une communication à avoir, par la suite des séances d'entraînement à effectuer pour mettre les candidats le plus à l'aise possible, et ensuite les manches, hein, et puis par la suite évidemment la finale. Ce concours d'éloquence s'adresse aux étudiants de l'UCLI, notamment les étudiants du campus Alpes-Europe à Annecy, bien sûr, et nous projetons à l'avenir de l'élargir, ce concours, et pourquoi pas faire participer les terminales, ça pourrait être une très très bonne expérience, notamment, pourquoi pas, ceux qui se destinent à des études juridiques. Ça pourrait avoir un sens extrêmement fort pour eux et puis une première approche qui peut être tout à fait pertinente. Pour moi, le concours d'éloquence a un véritable sens, surtout en droit, parce que le droit, certes, il y a beaucoup d'écrits, bien sûr, mais il y a également une part d'oralité qui est extrêmement importante, puisqu'on va forcément devoir un jour ou l'autre s'exprimer, peut-être face au client, peut-être face au juge, peut-être face à l'avocat, et avoir des qualités oratoires me paraît nécessaire. Merci à Paul Girard, merci de son témoignage, ça donne envie de participer. L'éloquence est importante et plus on a l'occasion de participer à ce type de concours, plus on gagne en fluidité. On va changer de sujet là pour se tourner sur les questions liées à l'international. Donc je vais de nouveau interroger Aurélien et Louis. Aurélien, le premier... quand on est ici sur ce campus, est-ce qu'on peut aller de partout, dans n'importe quel pays, à n'importe quel moment de son cursus académique ? Pas tout à fait, non. On ne peut pas aller partout quand on veut. Mais néanmoins, par exemple, pour l'ESDES, il y a 5 destinations qui sont proposées, alors qui sont obligatoires par contre. Donc on doit y aller. Au cours de la deuxième année, tous les étudiants partent suivre un semestre entier dans une université partenaire. On est à peu près d'ailleurs sur les 5 continents. Et puis on rajoute des partenariats chaque année supplémentaires pour les proposer aux étudiants. Lorsqu'ils partent, les cours... Alors il y a des cours en anglais
aussi dans le reste de la formation, mais quand ils partent en université partenaire, tous les cours sont en anglais, quelle que soit la destination. On a actuellement des étudiants à Ho Chi Minh, au Vietnam, on en a à New York, on en a à Athènes et on en a à Buenos Aires. Voilà. Et ils suivent tous le même programme. C'est pour ça qu'on ne peut pas partir non plus quand on veut ou on veut. C'est que pendant qu'on est à l'international, on apprend aussi des choses, on valide des cours, des enseignements. Et puis, donc, ils finissent leur deuxième année comme ça avant de commencer la troisième année en alternance. Et puis, la dimension internationale, elle s'exprime aussi d'autres manières que partir. Il y a évidemment les enseignements en anglais, et puis il y a aussi le contenu des enseignements, par exemple avec des cours sur le management interculturel, sur exporter des produits, les stratégies internationales qui peuvent d'ailleurs être aussi en français ou en anglais, mais qui participent aussi à former nos étudiants sur des métiers ou pour faire des carrières à l'international. Merci Aurélien. Donc si j'ai bien compris, les étudiants de l'ESDES doivent partir. Est-ce que ceux de la faculté de droit doivent partir ou peuvent partir ? Alors, ils ne doivent pas obligatoirement partir pour la plupart. C'est en troisième année qu'une mobilité à l'international peut se faire. Dans les étudiants qui sont dans le parcours de la licence peuvent faire un Erasmus en troisième année. Il y a environ 70 destinations dans le monde. Dans le cadre, sur le continent européen, c'est Londres, la Suède, la Finlande, l'Irlande, Madrid, l'Italie. Voilà. Plusieurs destinations dans le monde. Après, ça va être le Canada, l'Australie, l'Amérique du Sud et aussi en Asie, par exemple le Vietnam. Et les étudiants qui sont dans le Bachelor of Civil Law, donc en partenariat avec Maynous, eux ont une mobilité qui est obligatoire, les autres c'est optionnel, et qui est annuelle, tandis que les autres c'est semestriel. D'accord. Donc c'est vrai que, là vous l'avez dit, ça s'appelle Alpe-Europe, mais on peut partir ailleurs que sur le continent européen, bien évidemment. Tout à fait, partout dans le monde. Anna, toi tu as fait le choix d'être en double diplôme pour partir à Maynous, c'est ça, oui. En Irlande aussi. C'est marrant, un double diplôme, c'est-à-dire que tu as choisi toi-même de prendre une difficulté additionnelle. Tu étais déjà une bonne élève au lycée ? Alors j'étais une bonne élève, oui. Après j'ai toujours eu assez de facilité, donc je dirais pas que je travaillais non plus énormément, j'étais pas débordée au lycée. Mais oui, on peut considérer que j'étais une bonne élève, j'avais des facilités, alors pourquoi pas me rajouter encore des cours en licence pour continuer sur ce chemin-là. D'accord. Est-ce que c'est compliqué justement de suivre ce double cursus ? Est-ce que c'est compliqué ? Alors, c'est sûr que ça rajoute des heures en plus. C'est à prendre en compte, en fait, quand on postule. Mais en réalité, c'est quelque chose qui est plutôt intéressant. Et si on est passionné par, comme moi, j'adore les voyages, j'adore la langue anglaise, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. C'est mon but, en fait, dans la vie, on va dire, pour plus tard. Donc, en réalité, quand on est passionné et qu'on trouve ça intéressant, c'est pas du travail réellement en plus. C'est plus comme de l'extrascolaire, si on peut dire, même si ça reste scolaire, c'est plus... Comment est-ce que tu es accompagnée justement pour préparer ton séjour académique à l'étranger ? Alors, on est accompagnée par les professeurs, tout d'abord, parce qu'on a les professeurs de l'université de Maynous qui viennent nous rencontrer, en fait, sur le campus d'Annecy. Donc, on les rencontre, donc c'est vrai que ça fait déjà une première impression. Enfin, on s'habitue déjà à les voir, à eux. Et après, on est accompagné au niveau du logement aussi. Le Maynous University prévoit en fait des places dans les logements universitaires de l'université pour les étudiants qui viennent d'Annecy. Donc, on a des places aussi réservées sur place. C'est vraiment un atout, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que trouver un logement à Dublin quand on vient de l'étranger, ce serait très compliqué si on n'avait pas cet atout. Merci Louis. Ils sont tous comme Anna à la fac de droit, c'est-à-dire de très bons élèves qui suivent beaucoup de diplômes en même temps. C'est une obligation d'avoir un double diplôme ? Non, pas du tout. Ça, c'est quand ils candidatent sur Parcoursup, en fait, il y a différentes entrées. Et donc, ils choisissent soit la licence en droit simple, soit d'avoir un double diplôme. Paul Girard, par exemple, n'a pas de double diplôme. Ce n'est pas du tout une obligation pour venir à la faculté de droit. Alors on va lever un tabou. On a la première année de droit, elle a quand même la réputation d'être assez difficile. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce qu'au moins qu'il y ait une exception annécienne ? Alors, les études de droit ne sont pas réputées pour être
les plus simples. Néanmoins, et c'est notre modèle pédagogique, on accompagne les étudiants dans la réussite de leurs études. Donc, ils ont un responsable des études qui va les suivre, qui va les connaître et les accompagner avec, pour voir avec eux les difficultés parfois de l'organisation pour gérer la charge de travail et aussi voir avec eux quelles sont leurs difficultés pour mettre en place des séances de tutorat si besoin. Et du coup, le taux de réussite, il est pareil qu'au niveau national ou... Notre taux de réussite est habituellement à 80%. Ah, c'est un excellent taux, effectivement. Aurélien, il y a un aspect qui n'est pas banal pour, dans le système français, c'est qu'aujourd'hui, l'SDS est inséré à l'UCLI, donc l'Université catholique de Lyon. Est-ce que c'est un plus pour les étudiants de l'SDS de faire partie d'un ensemble plus grand? C'est très commun dans les pays anglo-saxons. Ça l'est beaucoup moins en France. Oui, c'est une particularité pour l'SDS d'être une école de management au sein d'une université. Alors, ça permet plusieurs choses. Déjà, ça permet d'avoir des services universitaires assez larges et complets. Je pense aux services santé, je pense à tout un tas d'accompagnements qui sont offerts par l'Université catholique de Lyon. Il y a évidemment aussi des valeurs qui circulent, puisque à l'UCLI, on décline aussi des centres de recherche sur l'éthique, sur le développement durable, et qui sont évidemment déclinés à l'ESDES avec une attention marquée sur notre mission pour former des managers responsables. Donc il y a évidemment tout ce lien avec l'université qui est fait. Enfin, il y a aussi une attention probablement plus forte portée aux éléments interdisciplinaires. Donc par exemple, le DU sur outils juridiques du manager, il est fait avec la faculté de droit. On a la chance d'avoir une faculté de droit au sein de l'université. Et à Lyon, c'est la même chose. Il y a d'autres formations qui sont faites conjointement avec d'autres pôles facultaires qui ont aussi d'autres expertises qui ne sont pas toujours aussi faciles d'accès pour des écoles de commerce qui n'appartiennent pas à ces ensembles. Vous l'avez déjà un peu dessiné, mais justement, est-ce qu'il y a un point particulier qui va différencier l'ESDES des autres écoles de management ? Oui, historiquement, l'ESDES, École supérieure de développement économique et social, donc on n'appelait pas ça ni développement durable, ni responsabilité sociale des entreprises, mais dès l'origine de la création de l'école, il y avait cette attention particulière pour finalement regarder, critiquer, être conscient des impacts des décisions de chaque manager, de chaque entreprise sur la nature, l'environnement, la société, nos vies. Et on voit bien aujourd'hui à quel point ce thème est d'actualité dans différents domaines. Et en tant que salarié, on le vit tous. La vie des organisations avec les collègues a évidemment une place très importante et tout un tas d'inventions techniques changent nos vies, changent nos manières d'être, changent nos relations. Je passe évidemment sur le thème de la prise en compte de l'écologie, par exemple, et des impacts que peuvent avoir les entreprises sur ce sujet. Donc dès l'origine, il y a eu cette attention qui est vraiment dans l'ADN de l'ESDES depuis le départ, avec des principes et des thèmes différents, mais qui est là dès l'origine. Dès 87, oui. Si vous pouviez décrire votre campus en trois adjectifs. Alors moi, dirais, j'ai connu le campus de Lyon qui est magnifique, celui d'Annecy est de taille plus modeste, mais il est très convivial. Je pense que là, je choisirais la convivialité. Je choisirais la modernité, il est aussi tout neuf, donc on l'a évidemment pensé avec des outils qui sont plutôt sympas. Et puis je dirais dans la ville, parce qu'on est à 15 minutes du centre-ville, donc la localisation du campus est quand même très agréable. On fait partie des chanceux avec une situation qui nous permet d'accéder assez rapidement au centre-ville historique, au lac et à toutes les commodités d'un centre-ville et d'être dans la ville aussi, relié avec tous les acteurs de la ville. On a dépassé les trois objectifs là. Elisa, sur... Alors, pour moi, je dirais que le campus, il est vivant. Il est aussi très moderne. Tout est très, très joli et fait pour l'étudiant. Et puis je reviens à ce que disait Monsieur Éminet, on est vraiment au cœur de la ville d'Annecy. Louis ? Je dirais la bienveillance. Il y a de la bienveillance sur ce campus, de l'équipe enseignante et du personnel dans l'ensemble à l'égard des étudiants. Le dynamisme, c'est un campus qui est assez jeune, il y a du dynamisme, il y a beaucoup de projets qui sont menés par les étudiants aussi dans la vie associative. Et l'international, on accueille aussi des enseignants étrangers et puis ça dynamise l'ensemble.
Et Anna, et si tu pouvais développer un petit peu aussi pour donner un peu les atouts du campus selon toi? Alors pour moi, il est situé dans une ville relativement calme. Au niveau étudiant, c'est vrai que c'est une ville assez apaisante, on va dire, Annecy, comme on dit, entre lac et montagne. On utilise souvent ces termes pour parler de la ville d'Annecy. Je dirais que c'est un campus à taille humaine, ce qui est justement, pour mon troisième adjectif, rassurant. C'est-à-dire que c'est un campus qu'on voit pas souvent, en fait, des campus où il y a 300 personnes à l'intérieur. Et c'est en ça que c'est une rareté, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que les universités, d'habitude, on est sur des milliers de personnes. Là, on reste sur 200-300. Et rassurant, alors à la fois parce qu'il est de taille humaine et à la fois grâce au suivi personnalisé, je veux dire avoir quelqu'un derrière vous qui est bienveillant justement, comme disait Monsieur Berthier, et qui vous rassure justement tout au long de vos études, c'est vraiment l'atout principal en fait de ce campus ici à Annecy. Tu confirmes ? Confirme. Et vous connaissez bien entre étudiants de la fac de droit et de l'ESDES ? Oui, on a des cours en commun. Ah, vous avez des cours en commun aussi, certains. Oui, les options surtout. Puis vu qu'on n'est pas beaucoup, vraiment c'est facile de rencontrer. On se croit souvent, monde, quoi. Ouais. Ça marche. On va de nouveau laisser la place à un nouveau témoignage. On va aller écouter l'interview d'Anastasia Domatos, qui est alternante en bachelor de l'ESDES et qui travaille au FC d'Annecy. Je m'appelle Anastasia, j'ai 23 ans. Je suis étudiante à l'ESDES en bachelor marketing communication digitale et je suis en alternance au football club d'Annecy depuis novembre 2022. Je suis en bachelor marketing et communication digitale. Ça inclut la stratégie, du marketing, de la communication. J'ai choisi d'être étudiante à l'ESDES à Annecy puisque je viens de Lyon, j'ai fait un DUT GEA et je souhaitais continuer mes études sur Annecy car j'aime bien le cadre de vie, c'est un cadre de vie agréable. J'étais déjà en alternance avant, donc c'était en même temps que mon ancienne alternance qui était sur Lyon. Je devais chercher une alternance sur Annecy, donc c'était pas forcément évident. Et l'école nous a mis en lien justement avec des entreprises et m'a mis en lien avec le football club d'Annecy. C'est comme ça que j'ai pu rentrer dans le club. Mon accueil au football club d'Annecy s'est très bien passé. L'équipe est dynamique, on s'entend tous bien. Ça permet vraiment de voir l'envers du décor. Lorsqu'on regarde un match de foot et qu'on voit un club de foot, on ne s'imagine pas tout ce qu'il y a derrière, tout le travail. Donc ils m'ont très bien accueilli, il y a une ambiance plutôt cool. Les missions sont vraiment intéressantes et on n'est pas qu'une stagiaire, un alternant. On a vraiment des missions, un rôle, on a des responsabilités. Donc c'est très plaisant de se sentir important et utile. Ce qui me motive, c'est de travailler sur le fonds de dotation, donc tout ce qui est handicap, solidarité, citoyenneté, c'est vraiment des valeurs qui me tiennent à cœur. Et le club fait ressortir ça. Ça me motive aussi de travailler sur des gros projets comme la communication pour le match contre l'OM, qui est vraiment important. Le jour de match, c'est plutôt animé ici. Je m'occupe de la tribune presse qui est juste en haut. Donc j'accueille toutes les radios, les médias, les journalistes qui viennent pour suivre le match, faire des articles, suivre en temps réel avec la radio. Donc je les accueille, je réponds à leurs questions et je suis le match aussi en même temps. En plus, ils viennent d'arriver en Ligue 2, donc ça donne des gros matchs et c'est une grosse opportunité de vivre ces moments avec eux. On m'a dit qu'en plus qu'ils n'avaient pas perdu à domicile les jours de match où je suis là, donc je ne sais pas si c'est un signe. Étudier à l'ESDES, c'est agréable, on a des beaux bâtiments, ça nous donne vraiment envie de travailler. On a aussi des intervenants qui viennent pour nous montrer vraiment des cas concrets, pour nous apprendre de leur expérience. Donc c'est plutôt gratifiant et on voit aussi beaucoup de la stratégie qu'on peut mettre en application justement sur le terrain en alternance dans notre entreprise. Coupé ! Ce que fait Anastasia a vraiment l'air passionnant. Et bien, du coup, je vais me tourner vers notre étudiante de l'ESDES et son directeur. Toi, ton activité professionnelle est aussi passionnante? Oui, c'est vraiment passionnant ce que je fais au quotidien. Aurélien, est-ce que l'exemple d'Anastasia, qui est quand même sur quelque chose de déjà assez professionnalisant et caractéristique de l'ensemble des étudiants de l'ESDES, et une question un peu plus large, est-ce qu'on continue après le bachelor ou est-ce que... Ils partent travailler. Oui, le bachelor, il doit apporter deux choses. Il doit apporter tous les fondamentaux du management et de la gestion,
Pourquoi ? Parce qu'on a aujourd'hui plus des trois quarts de nos étudiants qui poursuivent en cycle master, donc D'accord. ils vont être en poursuite d'études. Et puis évidemment, l'autre chose importante, et Anastasia en parle très bien, c'est tous les éléments professionnels. Parce que les étudiants peuvent aussi travailler à la sortie du bachelor. Ils ont fait deux stages, ils ont eu une mission humanitaire, ils sont partis à l'étranger, ils sont formés à l'international. Donc ils ont absolument tout ce qu'il faut pour travailler. Pour ce qui concerne la poursuite d'études, alors aujourd'hui, il y a plus de 15 spécialisations différentes de master qui sont proposées à Lyon avec des formations en alternance, des formations très internationales 100% en anglais, avec différentes choses. Et très bientôt à Annecy, ça sera le cas pour nos étudiants en troisième année de l'année prochaine, on leur proposera l'année suivante de continuer en cycle master à Annecy, dans les domaines qui sont aujourd'hui travaillés, c'est-à-dire ceux du développement des affaires et puis du marketing. Louis, je ne vous ai pas posé la question. Est-ce que, après la licence de droit, qu'est-ce qui se passe pour les étudiants du campus d'Annecy ? Alors, assez logiquement, comme après toute licence de droit, les étudiants vont poursuivre leurs études en master. Master à la fois à l'UCLI ou alors dans d'autres universités. Et c'est en master que les étudiants en droit vont se spécialiser dans un domaine. Du droit, le droit international, le droit pénal, le droit des affaires, etc. C'est là où le fait d'avoir fait un DU est un plus aussi, c'est ça ? Tout à fait. Le DU, en fait, va être, dans les candidatures en master, va être une corde supplémentaire pour les étudiants, en fait, à faire valoir. Ça peut être aussi avec les stages. Et donc, ça va faciliter l'admission dans un master. Je vais revenir à des questions un peu plus terre-à-terre parce que, à cette époque de l'année, personne n'échappe à Parcoursup. Donc, on a reçu beaucoup de questions. On a interrogé les étudiants sur Instagram. Il y a eu beaucoup de questions, bien évidemment, qui sont liées aux admissions. Et il y a une question qui est revenue plusieurs fois, qui nous a fait un peu sourire. Mais est-ce qu'on peut postuler sur le campus UCLI Alporop, qu'on soit de Paris, Marseille ou Ajaccio, où il faut forcément être du coin ? Non, il n'y a pas de critères discriminatoires si on n'est pas de la région ou au Savoyard. C'est d'ailleurs de plus en plus le cas. Hein. Quand on a commencé, on avait beaucoup de personnes du territoire, des pays de Savoie, et de plus en plus, on a des étudiants qui viennent de toute la France. Parcoursup est une plateforme nationale et les seules conditions pour accéder à nos formations, c'est tout simplement d'être admis et donc de passer les épreuves de sélection ou les critères de sélection pour entrer dans la licence de droit. C'est un peu la même question, Louis, et je veux dire, est-ce qu'il y a une stratégie à adopter pour avoir plus de chances d'être admis, par exemple ? Ou est-ce qu'il y a des profils aussi que vous recrutez en priorité ? Alors, la stratégie pour avoir le plus de chances d'être admis, ce serait dans Parcoursup de faire plusieurs vœux. La licence en droit, et si on est intéressé par un double diplôme, du coup, la licence plus le bachelor of civil law ou tel diplôme universitaire. On peut aussi candidater à Lyon et à Annecy, si on est prêt à aller étudier sur les deux campus. Ça vaut deux vœux, c'est ça ? Voilà, ça fait des vœux à chaque fois, en fait. Un vœu pour la licence, et puis on peut ajouter un vœu pour la licence à Lyon, et après, il faut ajouter un vœu pour une licence plus DU, etc. À chaque fois, c'est des vœux, effectivement, qui s'ajoutent pour les lycéens. C'est la même chose, Aurélien, pour l'ESDES ? C'est deux vœux ? Non, là, il y a moins de... C'est pas besoin d'élaborer une stratégie compliquée sur Parcoursup. Donc le Bachelor in Business est à Lyon ou à Annecy, mais il suffit à la personne de choisir. C'est le même concours, les mêmes critères d'admission, donc il n'y aura pas plus de chances en multipliant les vœux. Et donc il faut tout simplement candidater sur le campus. Il n'y a pas besoin de passer deux fois le concours, une fois non, Annecy, une fois Lyon. Et même pour ceux qui hésitent encore sur le lieu, ils passeront qu'une seule fois le concours et ils pourront... changer d'avis par la suite, donc il faut tout simplement indiquer le campus sur lequel les étudiants veulent aller. On sait, Louis, qu'il y a beaucoup de candidatures à la faculté de droit. Est-ce que les places sont limitées ? Alors, on a un nombre de places limité. Effectivement, on admet 100 étudiants en première année. On y tient, c'est aussi notre modèle pédagogique d'avoir des effectifs réduits pour les étudiants. C'est des bonnes qualités d'enseignement pour les étudiants. C'est ce qui nous permet aussi de les suivre. Il y a des conseils que vous donneriez aux étudiants de terminale qui postulent à la fac, c'est-à-dire leur candidature Parcoursup ? Le conseil principal, ce serait de soigner la lettre de motivation. On regarde attentivement la lettre de motivation et on va y chercher pourquoi est-ce que les jeunes veulent faire du droit et
éventuellement avec un double diplôme, et pourquoi à l'UCLI? En quoi est-ce qu'ils adhèrent finalement à notre modèle pédagogique? Ce qui est important à retenir, c'est qu'on ne fait pas fonctionner l'algorithme de Parcoursup, on examine les dossiers un à un, de manière humaine, et donc on va regarder les notes, première et terminale, du bac de français aussi, les appréciations et donc le projet de formation motivée. Toi, tu avais fait l'option droit, c'est ça, en terminale, au bac? Non, pas du non. tout. Et ça ne m'a absolument pas empêché d'être prise ici en double diplôme. Ce n'est pas une obligation? Non, pas du tout. J'ai appris la découverte de cette option droit en terminale, ça n'existait pas à mon époque. Ça existe depuis 2 ans. D'accord. On va changer de sujet. Là, on a parlé d'international, des possibilités d'études à l'étranger. Il y a quelque chose qui est commun aux deux entités aussi, que ce soit l'ESDES ou la fac de droit, c'est les langues. Alors, est-ce qu'il y a besoin d'avoir un niveau de langue spécifique pour postuler ici en première année? Comment ça se passe à l'ESDES d'abord? Oui, alors comme j'indiquais tout à l'heure, il y a une épreuve de langue qui fait partie. Alors, ce n'est pas celle qui pèse le plus lourd. Le plus lourd, c'est l'entretien de motivation, c'est le projet de l'étudiant. Et donc, il faut que l'étudiant ose candidater et nous dire le plus simplement du monde quel est son projet, pourquoi il veut faire une école de management. Il faut aussi, bien sûr, qu'il adhère à l'objectif de l'ESDES, qui est de former des managers responsables. Donc, il y a une congruence dans ces valeurs. Mais voilà. Pour ce qui concerne les langues, il y a une épreuve écrite. On ne demande pas, on n'est pas une école de langue, donc il ne s'agit pas d'être bilingue, mais d'être à l'aise dans l'anglais des affaires, pour mener une négociation. Et l'étudiant sera accompagné aussi pour ça tout au long de ses études, puisqu'il y a des cours de langue, alors d'anglais qui sont dans le cursus, et puis également une langue vivante 2 au choix. Voilà. D'accord. Louis, bien évidemment, quand on postule pour le double diplôme avec Maynous, on doit avoir un bon niveau d'anglais, j'imagine? Tout à fait. C'est un des doubles diplômes pour lequel on demande un niveau minimum en anglais. C'est un critère de sélection. Donc, c'est le Bachelor of Civil Law. C'est de la même façon le cas pour le diplôme universitaire Common Law et le diplôme universitaire de criminologie. Donc là, ça leur fait quoi? Un tiers de cours en anglais? Comment ça se passe? Alors, pour les étudiants dans le Bachelor of Civil Law et le DU Common Law, et tous les enseignements en fait sont délivrés en langue anglaise et ils ont aussi l'obligation de prendre dans le cursus de licence en droit les cours qui sont proposés en langue anglaise. Aurélien, vous êtes quelqu'un qui est... Aurélien et Louis, vous êtes tous les deux proches des étudiants. Vous avez parlé du taux de réussite en fac de droit. Aurélien, je vous parlais un peu plus d'insertion professionnelle. Qu'est-ce que disent les enquêtes sur l'insertion professionnelle des jeunes diplômés de l'ESDES? Oui, alors l'insertion est très bonne, mais sur assez peu d'étudiants en fait. On a à peu près un quart des étudiants qui choisissent de travailler après le bachelor, après la diplomation, et les trois quarts qui sont en fait en poursuite d'études. Donc après le cursus qu'ils ont fait, de toute façon, il y a 2 stages, une année entière très professionnelle en alternance, donc c'est des personnes qui ont appris tous les coups de code professionnel, qui se sont aussi constitués un réseau, qui connaissent un secteur, qui parlent anglais. Donc, au bout de 6 mois, on a 100% des étudiants qui trouvent un travail. Mais ce qui est important aussi, c'est de parler de cette poursuite d'études, puisque comme les étudiants sont diplômés avec le grade de licence, ils peuvent candidater à peu près partout, alors dans le domaine de la gestion et du management évidemment, ou également à l'international, puisqu'ils sont issus d'une école qui est aussi accréditée et donc connue à l'international. On ne l'a pas dit beaucoup justement, quelles sont justement les accréditations de l'ESDES? Vous pouvez revenir dessus rapidement? Oui, alors la principale qu'on a eue récemment grâce au travail de toutes les équipes de l'ESDES, c'est la CSB, qui est une accréditation américaine et qui est connue dans le monde, ce qui nous a permis aussi d'intégrer le classement du Financial Times pour la première fois cette année et qui permet à nos diplômés de pouvoir aussi avoir plus d'opportunités dans le monde. Aucune entreprise ne connaît toutes les formations sur le plan mondial de chaque pays de notre système d'école et d'université, mais en revanche, ces accréditations permettent de donner un label qui garantissent aux employeurs tout simplement d'avoir des formations de qualité, alors sur différents domaines, puisqu'ils regardent à peu près tout, la qualité des infrastructures, la formation, la manière d'évaluer les étudiants, de les suivre, de les accompagner, leur niveau d'anglais, la qualité des stages, enfin absolument tout est regardé. Ça permet
de multiplier ses opportunités. Ça permet aussi à l'ESDES d'être attractif aussi pour attirer des bons professeurs sur le plan international, parce qu'on a de plus en plus de professeurs qui sont anglophones, qui viennent de différentes régions du monde pour former nos étudiants à l'international. Et donc, quand on a une accréditation, ces professeurs qui ne nous connaissent pas nécessairement tout de suite savent qu'ils rentrent dans une école où il y a des centres de recherche, où il y a des infrastructures qui vont permettre aussi d'exercer correctement leur métier, leur mission. Merci Aurélien. Je rappelle aussi que pour la faculté de droit, donc c'est une vraie licence en conventionnement avec l'USMB, l'Université Savoie-Mont-Blanc. Merci à tous les deux. On va faire encore une courte pause pour aller écouter un nouveau témoignage d'étudiants. You get knocked down, but you gotta get up. Keep going. Alors, étant donné que je ne suis pas d'originaire d'Annecy, la vie à Annecy, je l'ai trouvée vraiment cool, que ce soit l'été avec le lac et l'hiver avec la proximité avec les montagnes, il y a tout le temps quelque chose à faire. On a le lac, on a des montagnes, les paysages sont sympas. C'est plutôt assez cool et puis varié. Je trouve qu'on est très calme, on est très, très à l'aise et on peut se balader partout, on est en sécurité. Je trouve que c'est une ville qui est assez sûre. Pour ma part, je fais pas mal de ski l'hiver, mais aussi l'été du vélo. Le cadre ici s'y prête bien. On peut tout faire à Annecy, c'est vraiment cool. Pour moi, c'est vraiment une ville qui a le côté urbain et le côté rural en même temps. À proximité de la Suisse, le marché est assez prometteur. Les étudiants ont plus de facilité pour trouver un emploi à la fin de leurs études. Merci pour ce témoignage. On arrive presque à la fin de ce live et on va aborder une question qui est importante pour les étudiants de l'UCLI d'une manière générale. C'est ce qu'on appelle dans notre vocable la formation humaine. Aurélien, qu'est-ce que c'est exactement que la formation humaine ? La formation humaine, c'est pour donner des enseignements qui sont souvent complémentaires aux études principales de l'étudiant, alors à Annecy en droit ou en gestion management, et puis qui vont servir aussi à s'ouvrir sur le monde, à s'ouvrir sur des thèmes alors qui peuvent être plus ou moins liés aussi au projet professionnel de l'étudiant, mais je vais l'illustrer en donnant des exemples, ça sera plus parlant. Tous les étudiants choisissent chaque semestre ce qu'on appelle nous un électif, puisque c'est des cours au choix, et on leur propose par exemple un cours sur l'histoire de la musique, un cours de neurosciences, alors appliqué quand même à l'économie ou au droit, mais on parle quand même de neurosciences, donc il s'agit bien de quelque chose, une ouverture sur une autre discipline. Histoire des pays de Savoie, d'autres thèmes qui sont abordés. Donc c'est pour s'ouvrir à d'autres disciplines, c'est ça ? Oui, à d'autres disciplines, à d'autres secteurs. Il y a eu des découvertes, par exemple, aussi sur le recyclage, sur l'industrie, sur droit et justice, sur un cours de philosophie sur la liberté. Certains étudiants nous ont dit que, pas tous, mais certains ont beaucoup aimé l'enseignement de la philo au lycée. Et puis, donc, d'une certaine manière, c'était aussi une occasion de prolonger des choses qu'ils ont aimées ou sur lesquelles ils veulent approfondir. Et souvent, c'est lié, alors dans leur tête, évidemment, les projets professionnels, il y en a de toute nature. Certains envisagent de travailler dans le secteur culturel, alors ils sont contents d'approfondir des questions culturelles. Les neurosciences, c'est des sujets aussi qui viennent impacter nos disciplines, les expertises professionnelles. Donc, c'est intéressant d'apporter ce regard un petit peu différent, qu'on soit en droit ou en gestion. Louis, est-ce que c'est effectivement très prisé par les étudiants de droit ou pas ? Alors, les étudiants en droit peuvent choisir de suivre des modules de formation humaine ou alors de prendre une langue vivante 2 ou alors l'option projet professionnel et personnel. Et la formation humaine, oui, est assez choisie par les étudiants en droit. C'est important parce que c'est ce qui va leur permettre d'enrichir leur parcours et
de découvrir d'autres choses. Et on y est assez sensible parce que être un bon juriste, c'est aussi comprendre le droit dans la société. Et donc ces enseignements-là aident les futurs juristes à comprendre le contexte dans lequel en fait ils vont travailler. Merci Louis. Vous l'aurez compris, il y a un nouveau visage sur ce plateau. On a gardé le meilleur pour la fin. Le meilleur, c'est la vie étudiante aussi, et avec une étudiante qui s'appelle Alessandra Di Lorenzo. Donc vous êtes juste à côté italienne, c'est ça? Je suis vénézuélienne et j'ai des origines italiennes. Oui. Très internationale. Tu es vice-présidente du bureau des étudiants? C'est ça. Et étudiante en fac de droit ou à l'ESDES? Je suis à l'ESDES, en première année. En première année. Comment ça se passe? Ça se passe très bien. Alors, parle-nous un peu de la vie étudiante, justement, pour les étudiants du campus Alpes-Europe. Qu'est-ce qu'elle a de particulière et quels sont les projets sur lesquels tu travailles aujourd'hui avec ton équipe? La vie sur le campus est très intéressante puisqu'on est quand même une classe très proche. On a réussi vraiment à se rapprocher. Donc la vie sur le campus est vraiment très intéressante puisqu'on est vraiment très à l'aise. On a une classe qui est vraiment très proche. On a réussi vraiment à tous se connaître et vraiment se rapprocher. On a aussi des cours en commun avec les gens du droit, ce qui nous permet de faire connaissance aussi avec eux, parce qu'on n'a pas beaucoup de cours ensemble, mais là où on est ensemble, on fait des travaux de groupe, donc c'est vraiment très intéressant. On a des cours qui sont très dynamiques, sont très visés, sont très concentrés sur vraiment ce qui est vraiment très intéressant pour nous, pour ce qu'on est venu à l'école. Donc c'est pas comme au lycée, on avait vraiment des cours très généraux. Ici, c'est vraiment direct. Direct au but, direct là où on veut. Donc c'est très intéressant. Donc tu confirmes un peu ce qu'ont dit les étudiants jusqu'à présent sur cette espèce d'esprit de famille qui a ici? Bien sûr, on est quand même dans un campus qui est de taille modeste, comme vous l'avez dit avant. Donc on arrive à quand même être sur un espace petit et donc vraiment très commode. On a cette BU qui est très confortable, on peut travailler, on peut être au silence, on peut être tranquille. On a l'espace cafétéria qui est grand, qui nous permet de nous asseoir tous ensemble avec des grandes tables. On a le bureau des étudiants, on a vraiment un espace que pour nous. On a des bureaux là où on peut travailler au silence pareil. C'est vraiment très fait pour les étudiants, très organisé. Là, on va laisser la casquette étudiante pour mettre celle de vice-présidente du BDE. Et justement, quels sont les projets, enfin c'est la vie étudiante, hein. Quels sont les projets que vous réalisez au sein du BDE et les choses qui te tiennent à cœur, toi? Et au début de l'année, on a organisé une soirée étudiante pour intégrer un peu nous, les premières années du coup. Mais on fait partie du BDE, donc on a participé à l'organisation de cette soirée qui nous a permis notamment de connaître tout le monde et vraiment de se rapprocher. En ce moment, on organise un tournoi inter-BDE, donc vraiment un grand projet qui nous tient à cœur avec tout le BDE. On organise donc un tournoi avec tous les BDE d'Annecy. Notre but serait vraiment de rapprocher tous les étudiants, en fait, et créer vraiment une vie étudiante sur Annecy et faire participer tout le monde pour qu'on se connaisse, parce qu'on ne se connaît pas forcément tous les BDE sur Annecy, toutes les écoles ne sont pas vraiment très rapprochées. Donc vraiment, le but, ce serait vraiment de créer quelque chose qui va durer. On a parlé avec la mairie d'Annecy qui nous soutient fortement et elle nous soutient vraiment sur ce projet car elle pense que vraiment ça peut devenir quelque chose de très intéressant sur le futur et qui peut durer et qui peut se refaire toutes les années. C'est un projet professionnalisant en plus d'être quelque chose qui va être sympa pour les étudiants. Il n'y a pas une grosse soirée sur le rooftop, vous n'en avez pas beaucoup parlé, mais il y a un rooftop là-haut. Il n'y a pas une grosse soirée prévue pour les étudiants d'Annecy? Potentiellement, en fin d'année, peut-être une petite soirée si c'est possible. Mais pas pour tout le monde ou juste pour les nôtres? Pour le campus, je pense. Non, l'année dernière, on avait fait le bal de fin d'année sur le rooftop. C'était super agréable parce que c'est vrai qu'au début de l'été, comme ça, c'est vraiment un endroit pas mal, on va dire, pour entamer un début de soirée en tout cas. Vous l'utilisez surtout en fin d'année, hein. Déjà surtout, il fait beau, oui, alors fait beau. Le rooftop se prête plus l'été, à la fin des études en mai que l'hiver. Merci à vous pour le temps que vous avez bien voulu consacrer aussi pour répondre aux questions des internautes. Merci à vous d'avoir posé vos questions sur le compte Instagram de l'UCLI. Vous pouvez suivre bien évidemment les actualités de l'UCLI sur le site ucli.fr, celui de l'ESDES sur celui de l'ESDES, esdes.fr.
La chose intéressante pour vous, c'est de venir sur place, rencontrer, discuter avec les étudiants et les équipes pédagogiques. Il y a des journées portes ouvertes très régulièrement. Tout ça est bien évidemment publié sur les différents sites. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée.